Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, la première lecture de ce dimanche commence par le péché originel. Adam a péché, il se cache de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui vient à sa rencontre, comme il le fait toujours. C'est Dieu qui fait le premier pas vers nous. Il cherche Adam. Où es-tu, Adam? Suit alors un échange, frères et sœurs, qui retrace notre vie quand nous tombons dans le péché. J'ai pris peur et je me suis caché, car je suis nu. Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Et là commence un petit jeu que nous connaissons bien. Le « ce n'est pas moi, c'est l'autre ». La femme que tu m'as donnée, elle m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et Ève de répondre, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Frères et sœurs, nous sommes là devant le refus d'accepter ouvertement ce que l'on fait en pleine connaissance. Le refus d'accepter la réalité de ce que l'on a fait ou que ce qu'on a dit par méconnaissance ou par tromperie, par fausseté. C'est la triste réalité de notre société qui trompe et mélange tout. Le réel et le virtuel, la connaissance vraie qui peut être scientifique et les fausses connaissances issues du Congo-Sa. Nous n'atteignons donc pas la vraie connaissance. Ainsi, dans notre monde, tout se vaut. Le mensonge devient vérité, la normale devient normale. Frères et sœurs, Jésus lui-même a subi cette loi de la fausseté et de la tromperie dans l'évangile de ce jour. Et il fait face à deux graves accusations. Il est possédé par Belzéboul et il a perdu la tête. Frères et sœurs, ces accusations nous révèlent notre attitude injuste envers nos frères et nos sœurs. En effet, bien souvent, quand il y a des réalités, des choses que nous ne comprenons pas, il nous est plus facile de les dénigrer en disant du n'importe quoi, de nous créer notre vérité à nous plutôt que de rechercher la vérité. Et Jésus remet les scribes à leur place. Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Frères et sœurs, la bonne nouvelle que Jésus nous annonce ce dimanche, dans ses accusations,
c'est qu'il a déjà ligoté Satan. Il ne peut rien contre lui, il ne peut rien contre nous. Chers frères et sœurs, Jésus nous annonce une autre bonne nouvelle ce dimanche, quand il nous parle de sa vraie famille. Qui donc est ma mère? Qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Oui, frères et sœurs, cela nous concerne tous, car nous découvrons ce matin que nous sommes de la parenté de Dieu, de la famille de Jésus. Ce qui doit poser à chacun de nous une question ce matin. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et qui soit bonne pour moi, c'est-à-dire qui me rendra heureux et qui rendra heureux les autres qui m'entourent et qui partagent ma vie au quotidien. Comment est-ce que ma vie peut devenir ainsi agréable à Dieu? Frères et sœurs, la réalité du péché et l'état actuel de notre monde ne doivent cependant pas nous plonger dans le désespoir. Et saint Paul nous le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si, en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ceux qui ne se voient pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Frères et sœurs, on voit bien la différence que saint Paul fait entre les deux types de vie. La vie terrestre dans laquelle nous sommes, avec son poids de péché, de découragement et de fausseté, où les gens pensent surtout à eux, à leur famille, et à la vie sous le regard de Dieu. Cette vie sous le regard de Dieu, la vie d'enfant de Dieu, n'est pas toujours évidente, n'est pas toujours facile et simple à réaliser et à mettre en œuvre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, tout au long de cette célébration, demandons au Seigneur Jésus d'éclairer nos esprits, afin que nous sachions démêler le vrai du faux, faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire, et qu'il soit toujours celui qui nous guide dans nos paroles, nos actes et nos choix au quotidien. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Thank you.